c'est pour ça qu'on va réaliser. Voilà. On va se rendre à Costa. Monsieur le président, j'ai un sentiment de fierté. Parce qu'on le voit dans la rue, il faut qu'ils comprennent. Et bien s'ils nous écoutent et s'ils les regardent actuellement, France 24, il faut qu'ils comprennent que le pouvoir là, c'est pas pour lui, c'est pour la jeunesse. Ouais. Comprenons. Et on lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Ces violences ont déjà fait plusieurs victimes près du palais présidentiel, deuxième cible des manifestants. T, gaz lacrymogène et tir. C'est fini, il faut dire que tout est allé si vite. Il aura fallu 48 heures pour renverser celui qui était au pouvoir depuis maintenant 27 ans chez les manifestants, chez les Burkinabés que l'on voit dans les rues. C'est une énorme fierté. C'est la révolution de la jeunesse. Et nous, on lance un appel à tous les autres États, à toute la France, de ne plus jamais s'acharner, de ne plus jamais s'acharner à vouloir changer les constitutions. On est tellement heureux que notre joie n'est pas.